Bonjour, c'est JFL Cuisine Creole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est en train de nous dire merci. Hein. Merci pour bouche à l'oreille nous fait pour moi, merci pour confiance nous et merci pour fidélité nous. Surtout et pour partager, nous partager vidéo pour nous. Nous allons retourner encore avec la même vidéo, nous allons retourner côté de l'étang Campéa, qu'on a juste à venir montrer nous comment pour nous chita sous table. Qui j'en nous doit qu'un vers champagne, comment nous doit manger, qui ça qui marche nous doit suivre, qui j'en doit nous déposer cuillère. Qui ça veut dire? C'est pour ça que je tourne avec nous. Quand on là, ça m'a perdu du temps pour montrer nous là. On va prendre une assiette plate comme ça, qui est en premier. Assiette plate, ça c'est le même qui va en dernier parce que c'est avec nous. On va mettre le plat principal là pour. On a une petite assiette plate qui est en mi-temps. Et pour avoir une assiette creuse qui est là qui pour finir. Quand on là, je vais montrer nous comment nous soutenir à table. Je commencé à s'en faire. Le coude n'est pas supposé sous table comme ça. Deuxième des choses, ou pas qu'à son table et puis pour comme ça, on parle avec moi et puis moi en bas de table et pour coucher sous table comme ça. Ça ne se fait pas. Vous supposez que tu as bien ferme sous table et puis dos bien à côté avec ça. Et puis après ça, c'est avant-bras. Avant-bras, c'est lui-même qui doit toujours sous table. Tout ça, vous pouvez le faire avec avant-bras. Si toutefois, même on vient pour aller en bas table, je vais vous dire que ça fait le en bas table. Lorsque vous prenez une serviette là, vous prenez une serviette ou, dans la range en façon déjà comme ça, je vais dire là, mais il y a quelqu'un qui fait fleur avec elle, moi je ne suis pas spécialiste en ça. Vous ployez le, vous mettez comme ça, ou déposez le sous cuisson. Pour qu'il soit mettez le sous cuisson, mettons si toutefois vous ne pouvez pas manger, ou sentir un petit bar et un bouchon qui sale, ou même main qui est toujours à côté sous table là, moi juste prends ça, je fais ça. Même pas dans la table là, je juste fais ça. Monsieur, bouche moi, je fais ça, je fais, puis je redépose le même là encore, et puis je recommence. On nous dit que c'est sous le table avant. Ok? Malgré que je fais ça là, même pas, je me descends parce que c'est automatique. Et fini tout bon, je me dis, s'il vous plaît, je demande un service de grâce. Yo boit avec cuillère, yo mange avec fourchette. Apprendre si moun yo mange avec fourchette. Ce n'est pas vrai pour penser que vous n'avez pas qu'à manger à fourchette. C'est normal ou pas apprendre comme ça. Ou imaginez que vous avez mangé avec des petits bâtons. Ce n'est pas avec une fourchette que vous n'avez pas mangé. Cuillère là, il a pour prendre soupe là. Ou fin de soupe avec elle. Fin ou fin avec elle. Ou déposer cuillère comme ça. Allez-y, c'est fini. Il a fini, il a retiré le tout prendre avec cuillère. Ou pas besoin de cuillère encore. Ou pas besoin de faire tout problème. Ça ne veut pas dire que vous avez venir encore ou pas boire avec cuillère ni manger à cuillère. Pas oublier, assez tout et tout étant là comme ça. On a tout surtout de qu'on est là, ou pas un petit poisson qui a vu genou, ou bien ou pas une salade. On va dire un autre bagage encore, s'il vous plaît, messieurs et dames, lorsque vous invitez au caillon monde, salade, l'aime parler de salade là, parler de feuilles, vous n'avez pas coupé salade avec couteau. Vous bon une salade, ou bien une fourchette dans la main, avec fourchette là, ou supposé capable de prendre n'importe quelle bouchée salade. Elle dit, salade là, moi, il y a moun. Yo prend salade là, y a... Ça ne se fait pas. Bien sûr que quand on va dire ça, oui, mais salade, mais parce que façon, on baille salade généralement dans le pays, c'est pas comme ça. Nous-mêmes, nous prenons feuille salade là, entier, nous mettons dans cette bing. Non. Et on salade, lorsqu'on baille le bras sous table, il suppose émincer déjà, bien émincer, et pour déposer, pour mon avenir, nous prenons fourchette là, piquer et puis manger. C'est tout. Mais ça, il faut retirer le bonheur. Tout le monde dit, est-ce qu'on mange, c'est à main gauche ou manger, c'est pas à main gauche ou manger, c'est à main droite. Oui, effectivement, on mange viande avec main gauche. Là. Mon cas manger viande avec main droite aussi, si on pas capable. Attendez. Et peut-être ça me prie nous de grâce pour nous apprendre si on mange avec fourchette. Lorsque on mange une viande, fourchette ou dans main gauche, ou pincer viande, là, ou couper viande, là, manger viande. Là. Qu'on a l'autre à manger du riz, ou pas qu'à prendre avec main gauche ou pas qu'on mange à main gauche. Ou supposé, mettre le couteau là, et puis qu'on a là, ou traverser pour manger avec mes doigts là. Donc, en un mot, ce n'est pas une obligation ou obligé manger avec main gauche. Ou manger avec main ou sans tout à l'aise. C'est très important pour nous connaître, de manger viande nous. Nous manger effectivement avec main gauche. Regarde. Couper, manger. Couper, manger. Mais quand on va traverser, puis qu'on fait ça là.
ça ne se fait pas. Ou déposer le couteau, qu'on a traversé et pour prendre le couteau et puis qu'on a pour manger du riz. Fin manger avec, la même chose encore, vous mettez tous les deux cuillères comme ça, pointées vers vous-même. Vous supposez que vous êtes venu, vous retirez ça devant là. Quand y a là, vous pouvez venir avec le plat principal là. Lorsque vous arrivez avec le plat principal là, c'est vous qui avez vidé le toujours encore. Mais pas oublier, vous avez cette sacrée là, vous avez déjà mangé un petit pain avec, vous avez déjà levé déjà lui-même. Ok? Je vais dire ça. Pendant que vous mangez un petit pain, vous avez levé assiette ça tout, là, le faire autre tout. Lorsque nous arrivons dans le dernier assiette plat principal là, on va qui très sec bois de nous là. Ouais, l'on va manger dans tout ça ou le bar ustensile, fouchette cuillère, on va toujours utiliser sorti de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui signifie, premier, ça ou bar ou à son souplité, on va regarder après qui a été juste au boule. On prend en premier, après ça, deuxième, ça ou une bar qui ont salade, on prend l'autre petit couteau qui est venu après là. Après ça, on prend fouchette qui était là aussi. Quand on y a là, on vient arriver dans la fin. Comment on fait comme c'est dans la fin? Parce que regarde, si c'est là, c'est ça, on était. Même deux couteaux, deux fouchettes. Ça veut dire qu'il y a un autre bar qui va venir. Mais quand on a là, on arrive dans le plat principal, on prend un couteau ça. On prend une fouchette. Parce que les pigots, ça veut dire qu'on connaît ce plat principal. Il n'y a pas de bon parce que c'est les pigots. Si toutefois, pendant qu'on mange, regarde, on arrive dans le moment, il n'y a pas de passer ou manger ou pas aimer. Le fait qu'il en croise comme ça, ça veut dire passer au suivant. Il n'y a pas de barreau. Mais si toutefois, son petit pose ou prend, ou uniquement mettre fouchette là, couteau avec fouchette là, comme ça, ça veut dire son petit pose ou prend. Dès qu'on retourne encore, on requiert, mais encore, qu'on a venu, il y a venu déposer d'autres manger là-dedans pour. Quand il y a là, l'on finit ou remettre ça. Remettre ou remettre dernier assiette ça, qu'on y a là, ou retirer fouchette, couteau ça et fouchette là. Fromage là, il n'y a pas besoin de porter le barreau, il n'y a pas assez de fromage, il n'y a pas besoin là pour qui ça, parce que fromage là, il y a une température pour lui porter le barreau. Pendant que tout le monde a mangé, il y a un monde lui-même qui a préparé assez de fromage. Qu'on a dès que nous finissons de manger, nous faisons des jazettes, nous, toute table a fini délibérée, bien délibérée, à ce moment-là, on va conseiller des serveurs qui viennent, il y a venu déposer assez de fromage là devant. On va utiliser la même chose aussi, couteau, fouchette pour. Après ça, on rebalit tout, même j'en tout la fin. Quand on va venir ici, à un moment donné, on va venir ici avec seulement des ça. On ne peut pas toucher non plus. On va le poton de ces barreaux. Qui peut le manger avec fouchette? Parce que puisque vous avez ta salade déjà, vous avez un bon petit liquide. Petit liquide ça, vous avez un thé ou bien vous avez un café. Qu'on a là, et peut-être ça, vous avez des ça pour venir dans cette là, c'est pour fouchette là. Ça, c'est le qu'il faut comme ça. Mesdames, messieurs, moi, ouais déjà, mon politicien qui aime un verre de champagne demain, ou pas embrasser un verre de champagne comme ça. Ni un verre de vin, ou pas embrasser comme ça non plus. Un verre de vin, on commence avec verre de vin, lorsqu'on sous tabavel, souvent, on tient comme ça, ou met au kembel juste dans un petit point de ça, pour yon mettre pour, ou pas besoin de lever. Lorsque ce verre-là venir pour déposer vin pour, pas supposé lever le verre pour porter le bali. Vous supposez soutenir l'emplacement, soutenir là, pas là. L'eau pour le brel aussi, ou pas qu'il y ait un verre de vin là pour brel. Ou qu'il y ait un verre de vin, ou caresser un verre de vin, ou embrasser avec trois doigts dans la pierre et pour soutenir. C'est ça. Ou juste, ou mettez mon là et pour soutenir là, et puis deux salis même pour le nez, juste caresser, juste deux. Ok? Et puis à ce moment-là, vous brel de même. Ça, c'est pour verre de vin. Verre à champagne, c'est un verre de la classe. Juste façon qu'on met là, on est dans un monde de classe. Ou pas qu'on met verre à champagne comme un beau sale. Ou pas qu'on met un beau sale. Ou qu'on met comme si on caressait quelque chose. Regarde. Ouais, là, mettez tout, regardez pour elle, tout doit aller vers le bas pour me soutenir là et puis pour me faire ça. Ça, c'est de la classe, mon chum. Elle dit tout support là, c'est dans l'allié, dans le pied là. C'est lui-même qui bien retenu et puis petit doigt en haut avec des petits doigts ou juste caresser la velle pour déposer la main. D'ailleurs, si toutefois on moun ou kembe yon verre de champagne ou pas gen classe là-dedans, pas gen aucun côté gen classe encore. Gen mesdames yon même qui tellement intéressant yo pas faire comme ça ou même, yo pas mal prise. Yo juste mettez petit doigt là et vous ou faut ça. Yo kembe avec des petits doigts de même. Des petits doigts, trois petits doigts et puis yo faut ça. C'est faisable ça.
plus ou café intéressant avec un verre champagne pour Zan. Ça, c'est pas menti. J'espère que nous satisfaire avec Tikou ça monte ban nous. Hein? Très satisfait. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lindy, votre chef à la maison qui t'a entré la caille. Merci, au revoir.